Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. Donc la dernière fois, on en était sorti, je crois, d'un tombeau, enfin d'un temple, dans lequel on avait trouvé quoi d'ailleurs? Ah oui, on en était là, là. Ça y est, je me souviens. On avait trouvé ce truc-là, et là, il fallait continuer. Hop, voilà, il y avait le monolithe ici, on avait traversé comme ça, et là on allait arriver là-bas. Ah oui, j'avais cru qu'il allait y avoir un boss, et c'est possible. On va voir, on va voir. Alors attendez, je veux juste voir un truc. Option, attribution de touche. Blablabla. 4, 5, plantes de soins, plantes d'endurance. En fait, ces boutons, ils sont marqués 4, 5, mais c'est pas. Moi, je les ai attribués sur autre chose, sur ma souris. Genre ça, non. Ouais, voilà. Et ça, c'est ça. Ok. Donc, normalement, là, si je fais ça. Voilà, saut de l'ange. Chou! Très bien. La voie des morts. Échappez-vous des ruines inondées. Les piranhas sont dangereux près terre marin. Ok! Des piranhas. Fantastique. Par contre, ok, mais comment je respire moi sous l'eau? Ils sont mignons. Hein. Ok, donc là on n'a pas le choix, de toute façon il faut descendre. Allez, donc on descend. Je suppose qu'on va aller voir les piranhas. On va se planquer là-bas dedans. Ils sont où? Ah oui, ils sont là! Ok! Ok. Fais attention. On se dépêche. Allez, on récupère de l'air un petit peu et on repart. Oula, mais il y en a masse des piranhas. Alors attendez, ok, bon ça va, ils sont pas très réactifs heureusement. Par contre j'aimerais bien savoir où c'est qu'il y a de l'air. Moi là-bas il y a l'air d'avoir de l'air. On va passer par là, il y a l'air d'avoir un chemin un peu à l'écart. On va ramasser les plantes là. Hop, je suis plein. Ok, fantastique. Là, on va aller. Oula, vite, de l'air. Ah, là, il y a un truc là-bas. Allez. Ouh. On respire. Allez, on repart. On va là-bas, là. Il y avait une brèche ici. Ah, de l'or, hein, fantastique. Vas-y encore, donne-moi de l'or. Je veux de l'or. Non, du jade. Ok, on récupère de l'air. Et je vais juste baisser le son dans mes écouteurs parce que c'est un peu fort. Voilà. Et on repart. Allez, hop. Clac. Là-bas, il y a de l'air encore. Ah, un truc à creuser, tiens. Oh, les piranhas arrivent là-bas. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Des ressources. Ok, là, il y a une boîte. On va juste aller prendre de l'air ici. En surveillant les piranhas. Hop. Et on repart. J'aime bien ce genre de gameplay, ça change un peu. Oh là, il y a des piranhas là. Qu'est-ce qui se passe? Je peux aller là-bas, là, il y a des trucs ou pas? Vous croyez qu'il y a des trucs là-bas à faire? Sûrement. C'est hyper lumineux ici. Ouah! Non! Ah oui, ouais, d'accord, carrément, direct. Allez. Ok. C'est. On se fait attraper, on est mort, quoi. Fantastique. Donc j'en étais où? Moi j'étais là. Ok. Donc là-bas je sais pas s'il y a des trucs. Du coup il y a peut-être des trucs à récupérer quand même. Ça va où ça? Comment on affiche la carte déjà? Comme ça. Ouais je sais pas. Ça a plutôt l'air d'être un raccourci. Pas l'air d'avoir grand chose. On va essayer de passer par là-bas plutôt. Ah, oula. Oula oula. Oula, j'ai plus d'air. Oh là, je vais me noyer. Non! Je vais mourir, il y a un truc là. Hop, on s'en fout, on prend le temps de ramasser, on se dépêche. Allez. Oh! Oh! Oh, je me noie. Je me noie de l'air. Pitié de l'air. Oh là, je vais crever, je crois. Voilà. Voilà. La mort. La mort.
perdu parce que ce que j'ai ramassé n'est pas de nouveau à ramasser. Tiens, il y a un truc, non? Je peux pas aller par là-bas, non? Et là non plus. Oh là là, les piranhas. Non, c'est bon, ce qui est ramassé, déjà ramassé. On se dépêche. On court, on court, on court, on court, on court. Enfin non, on court pas, on nage vite. On nage vite. Allez. Hop. Là, il y a 8000 poissons. Il y a aussi 8000... Allez. Ah, il y a des trucs là-bas dedans. Allez. Sors-toi de là. De l'air là-bas, de l'air là-bas. Ouais. Ah, c'était temps de respirer, hein. Ok, on va essayer de retourner là-bas. Je crois bien qu'il y avait des trucs. Ah, tiens, on peut aller dessous, là. Ah, des minerais encore, yes. Hop, qu'est-ce qu'on a récupéré cette fois? Pouf. On ne sait pas. Des trucs qui valent sûrement cher, de toute façon. Allez, on va reprendre de l'air, on va essayer de retourner dans l'espèce de grande salle qu'il y a derrière. Parce que je pense qu'il y a des trucs à récupérer là-bas. Avis, il y a des piranhas qui traînent, donc je pense que... Ah mais c'est tous des piranhas ça, genre? Ah, on dirait bien, ouais. En tout cas là-bas il y a l'air d'avoir des trucs. Là-bas il y a des trucs au fond. Ah, on tente le rush. Ah non, ça marche pas du tout. Ok, je pense qu'il faut pas passer par là, hein. Parce qu'à mon avis tous les trucs au milieu c'est tous des piranhas là. Alors là je suis où? Je suis revenu là. Ok, il y a un truc là-bas, hein. J'ai bien envie d'essayer. Ah ouais, non, d'accord, ok. Je vais au milieu, je me fais bouffer. Ok, donc... Donc c'est pas par là qu'il faut passer. On va essayer de trouver un autre passage. Par où est-ce qu'on peut passer? Par dessous, là, peut-être. Si elle veut bien nager un peu plus vite. Wow, il y a des piranhas partout, en fait. Ah ouais, non, ok, d'accord. Ok, c'est pas par là. Mais ça se trouve, c'est de l'autre côté où je voyais, en fait, de tout à l'heure. C'est possible, ça. Bon, allez, on avance, on s'en fout. J'ai pas envie de passer 2 heures sur un passage à 2 balles. On va avancer, on va aller là-bas. Clac. Hop. On essaie de se dépêcher. Hein, parce qu'on... On manque quand même d'air. Allez, on monte, on monte. On monte. Y'a rien là. Oui, oui, allez. 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 Oui. Retournons avec quoi qu'il y a coup. Tiens, là, il y a une boîte. On récupère la boîte. Hop là. Louf. Ok, retournons au village, du coup. Ok, donc c'est par là qu'il faut aller. Y'a pas des trucs qui traînent des fois, là? Dedans, l'eau? Des plantes, non, on s'en fout des plantes. Ok, on avance. Allez, tac. Zou. On se retrouve dans... Bordel. Fais pas ça, désolé. Qui doit s'en tirer? Ça, j'en sais rien. Attention, alors. Ça, on ramasse. Là, il y a quoi? Des bâtons? Ah non. Fausse piste. Ce texte a été rédigé vers le milieu du XXe siècle par un explorateur qui cherchait une cité perdue. Ayant découvert un petit comptoir tenu par une femme appelée Kama, non loin du campement, il lui demanda si elle connaissait des légendes qui pourraient l'aider à retrouver cette cité. Lorsqu'il a écrit ceci, il était à l'article de la mort, convaincu qu'elle l'avait délibérément envoyé sur une fausse piste. Logique. So typical. Alors, là on va aller là-bas. QG, ici l'équipe Omicron, on est attaqué. QG, répondez! De nouveau? Silence, faut que je me concentre. Je peux pas faire un truc comme ça. Sur une branche, maintenez pour tirer une flèche grappin. QG, on a besoin de renfort, c'est urgent. Schlack! Oh yes! Fantastique! Et là, il crie pas, là, en attendant. J'ai toujours pas. Wow! C'était juste, mais ça l'a fait. Ont-ils peur comme ça? De moi? J'ai pas assez de place pour ça. Ok, là c'est juste du soin, donc on s'en fiche.
Là, on le loot, lui. Wouh! Joli. Ok, là-bas, il y a une... C'est pas de là d'où on vient, peut-être. Peut-être, si je regarde droit devant moi, là. Dans quelle direction je regarde? Là-bas, ouais, c'est ça, c'est le... Ça doit être le... Le truc d'où on vient. Et là, on va revenir ici. Ok, bien allons-y. Ta-ta-ta. J'ai perdu ma radio dans le crash. Attention. Oula. Ah ouais, eux ils rigolent pas, ils ont des armures et tout, des casques. Donc ça se trouve, le tir au pistolet dans la tête là ne suffira pas à les tuer. Oh! Ah ouais, c'est eux qui ont tué tous les autres alors. C'était quoi ça? Un local. J'ai peur. Merde. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Rapport sur l'opération. À l'attention de Dr Dominguez. Campement établi près de la raffinerie abandonnée à l'extérieur du village. Contact pris avec les villageois. Personne ne sait rien sur Loup solitaire. Un petit groupe a quitté le camp principal en volant pour 2 semaines de ressources. Je propose d'éliminer ces anciens éléments une fois l'opération terminée. Aucun signe de Croft pour l'instant. On signale qu'un avion se serait écrasé à 10 km du village. Un coup de pouce du destin. Remarque, oui. Un villageois a suggéré de faire attention qu'Abby Ortiz ne s'intéresse pas trop à nos affaires. J'ai envoyé le nom au QG. J'attends son dossier. On étudie... Ok, toutes les perspectives d'un plan de secours. Ils font des bruits chelous là, les mecs. Hein. Je sais pas si c'est eux qui font ces bruits, mais. Je vous préviens, vous avez pas. Doucement, du calme. Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'ai juste vu des griffes. Alors. Des dents. Ça va. Est-ce que ça suffit à les tuer? Un peu de tact, tu veux? Ils ont attaqué. Ça criait. Ok. Ça y est, je suis repéré moi direct. Oula. Ah effectivement là. Wow. Cocktail Molotov. Un peu d'action. Ça fait du bien de temps en temps. Ils sont où? Ils sont où? Je vais te faire la peau. C'est à qui t'as affaire au moins? Il y a des glands qui savent pas tirer. Encore 60 secondes et on. Ah ah. Ok, ça je peux y ramasser. Ok, ça canarde hein. Ça canarde sévère. Il y a plein de ressources en tout cas. C'est quoi ces créatures? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Oh, c'est pas des créatures, ça a l'air d'être... forcément une sortie. Peut-être en remontant par où ils sont venus. Ça a l'air d'être des humains, hein. Tiens, c'est quoi ça? C'est un vieil avion? Classe. Stylé l'avion. Alors là, faut que j'aille là-bas. Ok, bon, on va y aller. Quick. Hop, on monte. Alors, on reprend le pistolet. On les entend, hein, ils sont par là. Ils sont dans le coin. Ils sont dans le coin. De la boue. Salissons-nous un petit peu. Ok, encore des cadavres. Ah oui, beaucoup, beaucoup de cadavres. Mon dieu, tous ces cadavres. Ouais, ça en fait. Victime des créatures. Mais pourquoi? Jonah, Abby. Oui, Lara, je t'écoute. Ok, ils ont plein de thunes. J'ai vu quelque chose.
Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de créatures bizarres. Quoi ? Elles sifflent comme des serpents et vont très vite. Lara, on dirait la légende de Pishtako. Tu nous fais marcher ? Non, je sais ce que j'ai vu. Tu vas bien ? Oui, je rentre là. Ce ne sont pas que des légendes. Rapport et résultat des fouilles. Division Amérique latine. À l'attention du docteur Dominguez. Mexique. Cozumel. Temple de Chakchel découvert. Site fouillé et fermé au public. Brésil. Région d'Itichimitari. Fouilles infructueuses. Problème avec le gouvernement. Recommandons de fermer le site. Attendons les ordres. Région de Trincheira. Ok, bon. Hop, on s'en fout. Hein. Là, on ramasse, ils ont plein de sous. Oh, il y en a un autre là. Hop. Là, 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 là-bas, il y a un truc. Ah, on revient au campement, là, non? Ouais, là, on revient au campement. Enfin, au village, plutôt. Je me souviens de cette zone. Tout est plein. Je crois que j'étais venu. Rien à prendre. Non? Ouais, il me semble que j'étais venu ici. En croyant que ça allait ailleurs. Et en fait, ça venait là. Alors, chasse. Faut que j'aille où là d'ailleurs? Là-bas, faut que je retourne au village quoi en fait. Là, il y a du bois. Là, il y a un campement, tiens. Que je n'avais pas trouvé. Étonnant. Je suis à combien de points de compétence? 5. On va peut-être commencer à regarder des trucs. Ah oui, donc ça les tue, mais ça les cache pas. Là, ça pourrait les cacher. Ouais, bon. Révéler les pièges, ça pourrait être intéressant. Bien que j'ai pas encore eu trop de pièges, je pense. Ok, donc je peux améliorer ma nage, enfin mon temps sous l'eau. Fabriquer des pièges, ça on s'en fiche. Fouille automatique, on s'en fiche. Je ne sais pas comment les chances de trouver des animaux rares. Bon, allez, on va faire. J'ai pas l'impression que ce soit utile, ça, franchement. Ça, on va le prendre. Ah, voilà, on voit les pièges, ça peut être intéressant. Ok. Permet de charger l'arc plus rapidement, réduit le temps. Charger. Tirer simultanément des flèches sur deux cibles verrouillées. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être très bien, ça. Maintenez pour bander votre arc, maintenez. Appuyez sur A pour zoomer sur les deux ennemis repérés et les verrouiller. Ok. Ok. C'est pas mal, ça. Inventaire, on s'en fout. Pour le moment, on n'a pas débloqué d'armes ou quoi que ce soit. Non. Tac, tac, tac. Ok. Donc, on continue. Par là. Allez. J'étais persuadé de venir. Bah si, j'étais bien venu par là. Alors, on revient au village, non? Retrouver Jonah dans les ruines. Jonah. Il est là, Jonah, non? Il doit être ici, alors. Ça, hein, faut aller. Oui. On est en bas. Allez, on y retourne, du coup. Ne cassez rien. T'es déjà allé là-dedans? Non, on t'attendait. Qu'est-ce qu'on va trouver, à ton avis? Waouh! La fresque montrait une série d'épreuves. Donc on va trouver des épreuves. Ah bah yes. Oh, sérieux? Je connais peut-être un autre passage. Ok. Une scie, sinon. On se retrouve de l'autre côté. Non? Tu peux me dire que vous avez pas une scie dans ton village, là? C'est des lances en bois.
Bon, on va se taper les épreuves tout seul. Allez. Ah ouais, d'accord. Ah, vas-y, on tombe dans le trou. Ok, donc oui, c'est bien là qu'il faut aller. Là, il y a un espèce de... Ah ! Ouh là là. Ok. Je voulais aller en face voir la fresque qu'il y avait, mais j'ai raté mon coup. Un tout petit peu, hein. Un tout petit peu. Allez, donc on va nager là-bas. Hop. Comme d'habitude, les décors sont très très jolis de partout. Allez, on se dépêche. Ouh, des cadavres, sympa. Et en plus, j'ai bientôt plus d'air. Fantastique. Allez, dépêche-toi, Lara. Oh, tiens, petit ralentissement. Ah, vite. Allez. Allez. Nage. Ok. Là, on va là-bas. Oh, des anguilles, fantastique. Allez, là-bas. Là-bas, il y a des trucs. Ah. Ah ouais, d'accord, je peux rien y faire, si. Si, normalement, je peux... Non. Schlack, schlack, schlack. Voilà. Ouh. Elle m'a piqué un peu. Alors là, il y a de l'air, vite. Ok. De l'air. Alors là, il y avait des trucs à récupérer. Moi, j'ai envie de récupérer les trucs qui traînent. Moi, je ramasse tout ce qui traîne. Ok. Là-bas, il y avait un truc aussi. On se dépêche. Allez, nage, Lara. Hop, des ressources. Ok, elle est là en bas, là-bas, elle ne me verra pas. En haut, je veux dire, elle ne me verra pas. Hop, on respire un coup. Et on repart là-bas. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres foutues anguilles. Parce qu'il me semblait que les anguilles, on pouvait les tuer. Bon, elle m'a peut-être blessé, mais... Osef. Allez. Ok, oula, l'araignée. L'épreuve de l'araignée. Oh oh. De l'or, là, on peut pas ramasser l'or, là. L'épreuve de l'araignée. Jonah, j'ai débouché dans une sorte de caverne. Il y a des signes de passage ici. Jonah ? Il n'y a pas de réseau là-dedans. Hop là. Allez, on monte. Non. Hop. Hop. Schlack. Hop là. Allez. J'aime bien parce que c'est quand même... Le gameplay est assez quand même diversifié. Enfin, ça, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent, comme les phases d'escalade, tout ça. Mais les décors sont jamais les mêmes. Jonah, et puis ça se répète pas si trop, tu quoi. M'entends, je suis encore sur la voie. L'épreuve de l'araignée. Je vais essayer de monter. Quand on a fait de l'escalade, je veux dire, on refait pas de l'escalade tout de suite derrière, quoi. Ok, donc là, il y a deux passages. Il y a un passage par ici. Et un passage par là. Alors, on va tenter le premier. Oh, il nous mène. Ok. Donc on est au-dessus. Il y a des chauves-souris. On peut les tuer, les chauves-souris ? Non, pas sûr. Je ne sais pas. On va essayer. Est-ce qu'on peut tuer les chauves-souris ? Il faudrait savoir viser les chauves-souris déjà. Bon, je crois qu'on peut pas les tuer. Non. On ne peut pas chasser les chauves-souris. Ah, faut aller là-bas. Alors attendez. On va quand même faire le tour d'abord. Parce qu'il y a peut-être des choses à récupérer. Comme des champignons. On ramasse les champignons. Ça se vend cher. Ça se vend cher. Oh. Oh oh. Qu'est-ce donc ? Oh ! Des jades. Fantastique. Minerai de jade.
Oh, encore. Allez. Bon. Ça fait un peu pilleur de tombe, mais... Bon, c'était là, ok. Ça fait même carrément pilleur de tombe, mais... C'est pas grave, on s'en fout, on prend tout. On prend tout. Allez. Donc maintenant, on va là-bas. Alors là, je sais plus comment on fait, ils vont nous le dire. Eux. Hop, là, on descend. Attends, comment on fait? Hop, voilà, c'est ça, faut cliquer, et puis you. You. You, on fait la balançoire, ouais. Ouh, c'était chaud, j'aurais pu me balancer un peu plus. Ok. Allez. On a réussi l'épreuve de l'araignée, donc. Si j'ai bien compris. L'épreuve de l'aigle. Wow. Classe. C'est tellement beau. Incroyable. Ouais. Jonah, je suis à l'épreuve d'après, l'aigle. Je crois que ça a un rapport avec le vent. Je vais toujours vers l'ouest. Ça descend, là. Il y a une rivière souterraine. Pouah. Comment ils ont été construits, les trucs, ici? Avec des espèces d'immenses statues en jade, là. On dirait. Faut pas tomber, là, hein. Il faut pas tomber. Hop. Clac. Allez, on monte. On va essayer d'atteindre ce truc. C'est... magnifique construction. Oula, il y a de l'orage chez moi. Oh, ça tombe pas loin du tout. Je vais peut-être arrêter là pour ce soir. Du coup, j'ai un peu peur que ça. J'espère que je n'avais bien. Que ça tombe, parce qu'en général, ça tombe sur ma maison. Enfin, du moins pas loin, ça fait tout griller, donc. Donc, je vais aller voir si l'orage monte et sinon. Ouais, on a 3 minutes encore. On va jouer 3 minutes. Allez, hop. Oh, ça grogne. Ça gronde. Allez, on monte là-dedans. Oh, stylé. Le truc qui tourne à l'intérieur, là. Toujours debout après des siècles de séismes et de tempêtes. Ouais. C'est ouf, quand même. Ok, je viens de voir un méga éclair dehors, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour ce soir, parce que de toute façon, ça fait une... vidéo d'une petite demi-heure, hein. Mais bon, ça fera le taf. Donc, et ben voilà, moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao!